Bonjour, c'est en effet beaucoup d'honneur de recevoir ce prix aujourd'hui. Je ne sais pas exactement si je le mérite, ou tout du moins dans un premier temps j'ai été surpris, ne me considérant pas comme un vrai professionnel ou un vrai directeur de l'immobilier, mais plutôt comme un business developer qui utilise l'immobilier pour construire des sociétés, construire des activités, et en le joignant avec d'autres savoir-faire, d'autres talents, tous destinés à satisfaire le client final, le consommateur. Donc c'est un peu ça l'histoire des 30 ans que je viens de passer. Et donc, sachant ça, on ne s'attend pas forcément à être le directeur immobilier de 2016. Néanmoins, je crois que le message qui est passé par ce choix très atypique, c'est que finalement, ce métier est très large, très généraliste, qu'il touche à tout, qu'il touche au développement, qu'il touche à la compréhension des métiers de chaque grande entreprise dans laquelle les directeurs immobiliers travaillent. Il touche au métier de la construction, il touche à l'environnement, il touche à la finance, à la comptabilité, beaucoup de choses, de plus en plus de choses financières. Et donc, en effet, c'est du business développement, c'est un métier généraliste. C'est un métier aussi qui repose pas seulement sur du capital. Le capital est de plus en plus abondant. Et donc, c'est le travail, les talents, les hommes qui font de plus en plus la différence dans ces activités. Et je remercie donc toutes mes équipes, tous les gens qui m'ont fait confiance, sans qui je n'aurais sûrement pas eu ce trophée et je n'aurais pas fait grand-chose de concret de ma vie professionnelle. Donc bravo à l'ADI pour toute son activité, bravo à tous ces directeurs immobiliers qui font un travail magnifique. Merci et bravo d'avoir un peu stretché, pris un peu de distance avec le directeur immobilier type en me distinguant, et bravo pour, au-delà de la satisfaction et de l'honneur que je ressens, le message que ça envoie aux directions générales, aux observateurs, aux gens qui ne comprennent pas forcément ce que c'est qu'un directeur immobilier, tout ce que peut recouvrir ces métiers de l'immobilier. Voilà, merci beaucoup, au revoir.